Allez. Salut les fils de Jenkins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagné de Saber Yanni, le premier vainqueur de la compétition YouTube Freestyle qu'on a organisé donc de mois de mars au mois de juin. Donc, il a réussi à avoir 289 j'aime, un peu plus peut-être, c'est ça? Plus 3240. C'est grâce à eux d'ailleurs, hein. Merci voilà. Beaucoup. C'est grâce à vous. Merci tout le monde. Hein. Vous avez vraiment assuré. Donc aujourd'hui, on va faire une petite chorégraphie avec Saber, une partie symétrique pour moi, puis Saber nous fera une petite surprise. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner un petit peu des différentes astuces pour que vous puissiez réussir cette chorégraphie. Et puis surtout pour que vous puissiez voir un petit peu notre travail au niveau des pieds, parce que c'est pas un travail qui va être évident, surtout sur cette chorégraphie là. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas faire avec la musique. Elle est un petit peu originale, surtout au niveau des appuis, donc il va falloir bien serrer les abdos, c'est être ça. Solide sur les jambes. C'est exactement. Et puis, ça. Et puis on va partir directement dans le bain. Il y aura quelques petits points critiques, mais vous allez vous accrocher et on va réussir. Allez. On va commencer tout de suite par deux steps genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, c'est vraiment notre base. Une fois que j'ai ça, une fois que mes clients ont ça, je vais avancer un petit peu. Donc au lieu de faire monter genou, etc., se décaler sur le 3, je vais aller décaler tout de suite sur le membre side et puis mettre le genou au niveau 3. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois qu'on a ça, c'est bon. Là, on peut passer, parce que sinon ça va quand même vite. Là, on va ajouter le contretemps et on va descendre sur le compte numéro 1. Donc, on est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Donc on descend bien sur le compte numéro 1. On le refait encore une dernière fois et après on avance tranquillement. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même chose. 4 et 5, 6, 7, 8 et 1. Maintenant, je vais ajouter un genou et je vais ajouter un blocage en bas pour pouvoir en fait équilibrer un petit peu et annuler les comptes, puisque quand j'ajoute un genou, ben, j'ajoute aussi un compte et du coup, il faut que je puisse l'annuler. C'est bon pour vous? On descend toujours sur le compte numéro 1. Toujours. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1. Ok, on descend bien sur le compte 5, 6, 7, 8. Compte numéro 1. 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1. Parfait. C'est bon, vous l'avez. Maintenant, on va ajouter juste deux tapes sur le côté. On va descendre maintenant, on va décaler un petit peu, descendre sur le compte numéro 3. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Donc, bien les tapes ici. Pour ensuite pouvoir passer un petit peu, donc là on va augmenter un peu l'amplitude, on va essayer de passer maintenant au sol. Yes, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, ok, bien décalé, on revient en arrière. 2, 3, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3. Maintenant, une fois que j'ai ça, donc si jamais vous n'avez pas vu les étapes, n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière. Regardez bien la vidéo, concentrez-vous bien sur les appuis, parce que c'est vrai que nous, en tant que professionnels, on a tendance un petit peu à aller plus vite. On avance un petit peu, on ajoute le contretemps et le membre bas, puisque c'est vraiment une petite phase rapide. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok ? Donc bien sur les côtés, faites bien votre contretemps, revenez bien en arrière et revenez ici. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 5, 6, 7, 8. Yes, encore une fois, et après, bon courage, on avance. 1, 2, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 5, 6, 7, 8. Très bien, on a ça. Je suis sympa. On va augmenter un petit peu l'amplitude. Celui-là, il va être. Donc, c'est vraiment une partie critique sur cette partie-là parce qu'il va falloir vraiment être costaud sur les abdominaux. On va se découvrir. On va se découvrir. Allez, c'est parti. 1, 2, 3,
4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 5, 6, oh, yes. Allez, poste, hein. Je sens que tu me fais un peu de travail. Ah oui, là, je suis obligé de crisper. Vous êtes obligé de crisper parce qu'ici, bah, vous descendez vers l'avant, si vous êtes vous tombez, ok. On le refait encore une fois et après on ajoute la dernière partie qui est la surprise. 5, 6, 7, 8. 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 5, 6, 7, 8. Parfait. Ouais. Ça bête. Dernière partie, la grosse surprise, je vous laisse découvrir. Regardez bien. Observez bien, revenez mille fois en arrière s'il faut, parce que celui-ci, il va falloir le réussir. Allez, go! Yes! Encore une fois. Parfait. Cool! Donc, tout ce qu'on a fait, c'est aller un petit peu plus vers l'extérieur. Je vous montre une fois en ralenti, parce que c'est vraiment... Ici, on commence par la droite, hein, par la droite. Donc ici, merci. Donc ici, on va tourner. Donc en fait, avec votre twist, vous mettez votre tape et vous mettez votre contretemps pour finir derrière avec votre main boba que vous avez fait au préalable ici. D'accord ? Je vous invite à regarder, je vous invite à analyser cette chorégraphie, je vous invite à travailler dans vos clubs avec un public avancé, attention. Hein, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de costaud. Et puis après, je vous laisse découvrir aussi la deuxième partie avec Saber. Si vous avez des commentaires, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à souscrire sur cette chaîne YouTube. On grandit de plus en plus. On a de plus en plus des super intervenants dans cette chaîne YouTube. Merci à Marco. Et vous êtes vraiment, vraiment top. Donc, je vous laisse découvrir Saber. Allez, à bientôt. C'est parti. Ciao.